Ah, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais surtout en profiter pour essayer mon super matos, une invention fait maison. Attends, tu vas voir ça. Voici, attention, la première perche à selfie sous-marine. En fait, l'idée, c'est de la caler dans le dos, comme ça. Et là, voilà, tu mets ta GoPro ici. Tu vois, c'est attaché comme ça. Et puis, je peux faire des selfies. Donc on va essayer cette haute technologie de PVC aujourd'hui. Il ne faudra pas oublier de mettre la GoPro. Et on va voir ce que ça donne. Puis au passage, j'en profiterai pour te montrer un tout petit bout de mon quotidien aux Caraïbes. Pas aux Caraïbes. Sur une petite île dans les Caraïbes. Bon allez, à tout de suite. Bon, je crois qu'il y a un concept que j'ai jamais bien compris, c'est celui des jours off. Parce que aujourd'hui je travaille pas et je me réveille à 6h du mat pour aller plonger. Bon, petit briefing. Alors, une journée quand tu vas aller plonger, elle commence tôt. Déjà parce que les courants ils sont cool le matin. Et puis parce que ben, je vais aller dans le bateau et je vais être bien. Donc je prends le temps de me lever. Petit café, petite salade de fruits et on y va. Et on va où d'ailleurs? Eh ben. Je vais te montrer ça. Bienvenue à Saba. Non, parce qu'on le dira jamais assez, mais le petit déjeuner, c'est la clé du matin. Oh ma gueule. Petit matin, il y a mon petit voisin qui vient d'arriver. Salut, ça roule. On y va, on va plonger. Donc lui il va travailler et moi, bah moi en fait. Oh, tiens, je suis pas content. En vrai, je vous mens un peu parce que tous les matins, effectivement, ça se passe comme ça. Mais là, il est déjà 7h30 du matin et donc c'est bien parce que je suis off et que je travaille pas que je peux me permettre de prendre autant mon temps. Parce que en réalité, ce serait un peu plus sportif. Hein. Noni ! Ah, j'aime bien la mangue. Ouais, c'est un peu plus tranquille. Hein. Puis un autre truc que j'aime bien, c'est pouvoir entendre le bruit du vent et de la mer depuis ma maison. Tu veux que je te montre? Puis après, on y va. Allez, là maintenant, on va vraiment y aller. A tout de suite. Bon, là c'est un peu la merde parce que à faire toutes mes vidéos à la con, je suis en retard. Ouais, je suis un peu fatigué. Mais regarde, c'est joli. Fraîchement arrivé au port. Et bah juste là, il y a nos bateaux, on va les attraper.
Bienvenue à bord du bateau. Ça roule. Bienvenue à bord de Giant Stride. Je vais montrer à tout le monde ma super invention pour faire des selfies sous-marins. Eh, ça va pas être trop cool ou pas? Trop cool. Bon, je te laisse profiter du spectacle. Ça, mes amis, c'est le futur. C'est le futur de l'avenir de demain. Là, moi, je vais plonger en nitrox, parce que j'essaie de toujours plonger en nitrox. Mais le nitrox, ça fera le sujet d'une vidéo en particulier. Le sujet de la vidéo, c'est de tester mon super selfie stick. Devrais-je dire mon gros selfie stick? That's the future of the selfie. Et là, je sais ce que tu te demandes. Tu te dis, mais Kevin, pourquoi avoir une caméra en face de soi? C'est complètement con. Eh ben non, parce que ça me permet justement de pouvoir faire une vidéo dans ce sens-là. Et après, de me retourner et dire coucou, comme dans un studio. Donc, caméra 2. On va voir ce que ça va donner. Les paris sont ouverts, on est à 50-50, je perds mon matos. Ça, c'est mon caisson. C'est une petite caméra, un TG5. On va voir ce que j'arrive à sortir avec. Allez, tout de suite. Sur le site de plongée. Il y a du vent, il y a du vent. Ça souffle un peu. Bon, alors que je t'explique, là on est à Leather Bay, c'est dans la zone un peu plus calme de Saba, et on va plonger à Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un site un peu particulier, parce qu'en fait, c'est plein de formations rocheuses volcaniques, et donc ça forme comme une sorte de dédale, et l'idée dans ce dédale, ça va être d'essayer de trouver un requin nourrice, ou à la rigueur, des lobsters, des Caraïbes lobsters. Je te garantis rien, mais je vais faire de mon mieux. Maintenant, ça va être l'heure d'enfiler le matériel puis d'essayer mon équipement. On s'équipe ! Ça, le standard, je le prends. J'ai fait un coup de boule. On va plonger.
Bon, je viens juste de revenir au port là. Faudra que je trouve un moyen de retourner à Windwardside. Allez. Là, ce qui se passe, c'est que vu que je travaille pas, bah, j'ai pas de lift pour retourner au taf. Et à Saba, et bah, tu te déplaces que en stop. Ça va être bien. Ah, je vais là-haut. Je vais à Saba, she saved my life. Parce que oui, à Saba, on se déplace en stop. Et puis là, bah, du coup, c'est Ava qui m'a pris en stop. Bon, bah, je viens d'arriver à la maison finalement. Ah bah c'était une chouette journée. Bah, j'aurais mis une demi-heure pour rentrer. Bilan de la journée. Et bah mon système de caméra, je pense qu'on peut dire que ça marche plutôt bien finalement. Alors ça c'est une petite vidéo vlog pour te montrer un peu le quotidien. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça t'a plu. Et puis n'hésite pas à regarder les autres vidéos. À regarder les prochaines vidéos et à aller faire un tour sur l'Instagram Argonaut Travel. Tout encouragement sera toujours bienvenu. Et si tu as des questions sur les Caraïbes, sur la plongée ou sur comment fabriquer un bras à selfie sous-marin pour GoPro, et ben tu me demandes dans les commentaires et je te répondrai. Oh, allez, on se retrouve dans le bleu et puis à bientôt. Ciao.